Finalement, la police présentait policier 4 team yo arrêté dans commune Petionville qui t'a pral porter balle pour bandi vivre ensemble. Nous connaît question balle important pour un groupe gang. Poser ça qui t'a pral porter balle pour bandi vivre ensemble touyé malheureux malheureuse. Eh bien, yo déposé la patte sous tourou ça. Yo présenté bay grand public là. Est-ce que te connaît pour balle river joindre bandi dans pays d'Haïti? C'est policier yo avec commerçant bandi toujours utilisé pour passer balle pour yo. Laisse son policier qui passe son balle, depuis on le policier qui bel dit son papa. Et même quand il dit son papa, il pas fouillé machine ni pour yo ouais dans machine là qui va supposer dans machine là. Depuis que je suis passé par son papa, je ne sais pas seulement arrêté sous parole de son papa. Il dit identifié d'abord, il a monté le badge là. Kounya la tout. Est-ce que vous avez le droit de fouiller une machine policière? Oui, vous avez le droit à ça. Mais, dans le pays d'Haïti, de vous dire où son papa, vous n'avez pas même besoin de connaître, vous avez passé. Et mais tout ça, qui sont policiers 4 team, qui l'a pour sécuriser la présidence. Oh oh. Il a arrêté tout ça. Non, c'est Jean-Renel Pierre. Il a arrêté le mercredi 30 octobre 2024 avec 2695 cartouches dans la machine pour te livrer par les terroristes vivants. Dans le cartouche, il y a 2574 cartouches calibre 762, c'est balle qui tirait avec Zam Galil TPR gros guitaro. Et ensuite yo joué une machine monsieur 237000 goud avec trois téléphones intelligents. Jean-Renel Pierre, il est sorti dans 21e promotion PNH là. Au policier par national qui l'a pour sécuriser la présidence. C'est lui qui n'a conversé avec gang, c'est lui qui a passé balle au bandi. On bon lettre ou te camisé ou te carte de misé, lui planifier pour attaquer par national ou bien pour touyer président. Parce que si vous avez contact serré avec gang yo, Ou calivre un président. Ou calivre par national bagang yo. Hein? Ça dit uniforme bandi yo gen là. Ça dit e ba misik bayol. Et grave oui. On a regardé vidéo ça côté la police t'a présenté Jean-Renel Pierre qui c'est un policier 21e promotion qui dans unité 4 team. On a regardé après ça, m'a tourné pour plus d'état avec précision. Dans le commissariat Petionville, dans le cadre de Filati, qui est mené sous leadership de la direction centrale de police administrative, la police dans Petionville est arrivée à interpeller le policier Jean-Renel Pierre, que nous avons gardé avec maillot noir, pantalon kaki. Jean-Renel Pierre, c'est un policier 21e promotion qui est affecté dans l'unité de sécurité présidentielle. Hier après-midi, 30 octobre 2024, là, dans la rue L'Ouverture, dans Petionville, dans une banque commerciale, la police t'est informée t'est gagné un certain Muller qui était dans la banque. Là. Muller, ça, d'après information que la police gagne, c'est yon nan moun qui fait partie de gang, yon groupe qui veut les têtes qui crachent du feu. Et la police te gen information que nous laissa li ta nan banque. Immédiatement, la police te monte yon brigade pour filaturer li et gen contrôle
véhicule que la police a identifié que était à bord là. Véhicule ça c'est un Kia K27000. C'est un pick-up couleur bleue qui est matriculé BB22021. Responsable juridiction Pétionville là, te prend toute disposition pour filati ça et ouais qui moun qui t'a ville prend monter à bord machine ça. Filati ça, il est monté à plusieurs niveaux tant dans périmètre externe banque commerciale ça que dans périmètre interne avec des agents qui étaient spécialisés qui étaient allés dans périmètre interne pour te contrôler qui ça qui a passé. Bon 82 minutes. Agent Lobio t'a pas réalisé et t'a pas constaté que yon individu qui portait uniforme captime t'est approché véhicule là. Rapidement policier yo qui était dans filatia t'a demandé individu ça pour t'identifier. Et rapidement yo t'est procédé à interpellation individu ça et yo t'est identifié sous nom policier Jean-Winel Pierre. Rapidement, il était accompagné Jean-Winel Pierre dans le commissariat Pétionville là et procédé à une fouille en présence Jean-Winel à véhicule ça. Qui ça aurait joué là-dedans? 237 000 gouttes. Un téléphone iPhone 14 Pro Max. Un téléphone iPhone S5. Un téléphone Galaxy S8, un pistolet Mac Glock calibre 9 mm, série LML 824, 18 cartouches 9 mm, un chargeur. A remarquer, l'autre cartouche que vous allez jouer dans la machine, ça pas gagné pour vous avec cartouche qui appartenait à ZAM des services policiers. Yo joine 100 cartouches 762, 3 cartouches 556 que n'a gardé dans différentes boîtes que nous gagne là yo. C'est en total 2574 cartouches 762 que yo joine dans une autre boîte. Les yo mêlé plusieurs cartouches sa yo ensemble de différents calibres. Les bails ont total de 2695 cartouches que yo joine dans machine que policier ça t'a conduit. Jean nous dit là trois téléphones portables. En plus de ça, yon couteau tactique, deux étuis, des gilets phosphorescents de couleur jaune et noir, etc. C'est ensemble de munitions que vous joignez en possession policière pendant une situation côté trafic de munitions et de trafic d'armes. C'est une situation qui a empoisonné et population et limité et accès population qui a dérangé bien-être population. Donc la police là elle était vigilant et par rapport avec ça. Et chaque fois yon policier malheureusement trouvé la situation sa yo, donc la police là fait tout ça dépend de lui, donc pour poser la question et transférer par devant autorité de droit yo, et yo même yo appelé à dire le droit. Pas oublier décision yo capable à la fois administrative et judiciaire. Si c'est une faute administrative, inspection générale est là pour mener enquête là. Et quand il s'agit d'une situation qui a rapport à un crime, donc il est déféré par devant autorité judiciaire. Nous sommes tendés et puis gardés qui j'ai pas de parole police là, t'a présenté Jean-Renel Pierre, qui c'est un policier actif, qui est dans la 21e promotion, qui affecté m'te ka di ki nan unité 4 team qui là pour protéger et sécuriser présidentiel. Bagala grave, bagala empiré.
moun nous t'as supposé faire confiance, c'est yo qui n'a mauvaise affaire. Nous pas saisir l'entendre au monde dit li plus père yon policier qu'un bandit. Oui, parce que bandi yo yo même yo connaît ces bandi. Ou même debout être diable là ou gitan et bandilier, ou connaît bandilier. Mais là ouais, un policier ou douté sou li. Parce que grand pile policier qui nan gang qui nan mauvaise affaire. Et gen plus policier qui nan baye wong que des trois green qui bon yo. Imagine un policier comme ça qui nan connivence avec gang qui travaille nan palais national et pas seulement UGPN qui pour palais national non nèg 4 million tout yo gen base dans palais national tout parce que yo là pour sécuriser la présidence ou bien présidentielle sécurité présidentielle. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire et pas tout policier vous faire confiance. Sou pas contre policier pas faire confiance parce que on a gang. Ça que t'a dit yo policier captime t'arrivé dans connivence avec gang. Ha! Ou pas ta believe that? On a quoi ça? J'aime dire là c'est policier avec commerçant yo qui passe balle plus facile pour gang yo. Et pas première fois que mes policiers qui passe balle pour bandi. Parce que depuis policier a gagne balle dans machine ni donc gagne dans machine là balle dans machine là depuis on policier campé il dit son papa il juste identifie et puis tout il dit aller dans chef là sans même yo pas fouiller machine ni pour voir qui ça la donne. Et pas seulement dans pays d'Haïti comme ça, l'autre pays comme ça tout. Ah oui, l'autre pays comme ça. Oui, même grand pays comme ça. Eh bien, c'est grave. Pendant parler de policiers qui ne bagaille drôle, qui passe balle pour bandi, comme dit bien, c'est le façon qui veut jeune moi. L'État en République dominicaine démantèle yon réseau trafic zam nan haut niveau l'État qui même gen rapport avec police en République dominicaine. Policiers en République dominicaine, yo nan vann zam ba ki yes? Ba gang. Ba lòk moun. Est-ce que haïtien ou tout yo kon vann haïtien zam? Nou pa konnen. Parce que yo fèt demande l parce que y a poursuiv li. Jusqu'à ce que yo jwenn ki route zam yo fè, ki route bal yo fè tout parce que yo pa kon vann zam sans bal. Oui. Tande bien. Tande oui. Yo demande nèg yo k'ap passé k'ap vann zam kounya la. Moi même dame konnen groupe sa ki arrive demande a. C'est vrai, y a vann zam mais ba ki yes y vann zam yo. Ah, je konnen tout gen officier police. Oui, au niveau bye, au niveau net oui. Yo kembe le trafic zam en République dominicaine. Ça veut dire qui ça? L'autant des gon zam quand dans pays d'Haïti, l'autant des balles ap entrer dans pays d'Haïti et nèg yo et yo même. Et le plus souvent zam yo passé en République dominicaine pour tomber Haïti. Oui, nan men bandi ka touye nous. Et là yo sorti même. Et ces policiers avec moun qui pral acheter commerce qui toujours passé avec zam sa yo pour voter bay bandi. Les bandi achetel nan men dominicain yo. Et bay grave pa parler, bay sérieux. Mais li grave, mais obligé parler. Et bien tande non. Réseau trafic d'am sa et de munitions li démantelé au sein de la police dominicaine. Hein? Qu'est-ce qui annonce ça? Vous connaissez. Nous sur réseau nous connaissons tout bagaille. C'est ministère intérieur
dans la République dominicaine qui annonce cette nouvelle là. Oui. Lui précise que réseau trafic Zamsa en dans la police en République dominicaine. Il dit gain haut gradé de la police là ainsi que sept officiers. C'est haut gradé qui officier Zam Alvan by gang avec le monde tout trafic Zam parce que gang de Zam. Mais mon citoyen civil et il a vendu Zam pour protéger business li. Vous entendez? On trafic Zam. Là, en République dominicaine. Et vous entendez, la République dominicaine a fait une frontière pour faire ceci, cela, à travers l'insécurité qui est dans le pays d'Haïti. Mais, la caillou, t'as fait examen dans la police. Là. Et grave, oui. Et, bon, bah, ça, là, il passe souvent dans le pays d'Haïti. Il passe avec Dimitri Hira. Parce que Dimitri Hira a été gagné. Il y a une quantité d'âmes. Il était fait commande pour le pays national. Et si il était commandé, il y a un valet d'âmes. Si l'État te commande 50 ZAM, l'État te 25 et puis 25 ans, il fait le couchi avec Dimitri Hira. En tout cas, et maintenant, non. Est-ce que vous avez dans le jeu de la vidéo là? Yon moun pap ka poste vidéo ou akale et vidéo gang a fait mauvaise affaire ni sur WhatsApp, ni sur Telegram, TikTok, avec Facebook. Sinon, y a bloqué ou? Hein? Y a bloqué ou? C'est paquet Port-au-Prince fait qu'on est que et li interdit vieille image si qu'il est de pays d'Haïti. Oui, vieille image yo. Mali pour nous. Tenez bien. Paquet Port-au-Prince attire attention tout citoyen administrateur groupe WhatsApp yo avec si la cap utiliser réseau social yo. Li interdit pour yo partager vidéo qui gen caractère criminel violence parce que paquet a dit tout monde qui reconnaît coupable non c'est ça pas ka servi avec téléphone y a coupé ligne ni et application la utiliser à tout y a bloqué. Bon, il va vous nous. Paquet a dit tout le monde qui reconnaît coupable dans dossier ça. Il pas capable ouais service téléphonique. Il a coupé et puis il a exposé à sanction ouais, il a exposé avec sanction pénale. Mais notre là c'est ministère de la justice et de la sécurité publique. Fait rapport au prince. Le 31 octobre 2024. Mais là, nous avons posé les paroles qu'on écrit, on va parler. Notre là, bel et bien présent, il est visible. Regardez, voici un cafontier pour nous. Regardez là. À tous les citoyens, citoyennes, administrateurs, administratrices des groupes WhatsApp et utilisateurs des réseaux sociaux, objets. Interdiction de partage et de publication de vidéos de caractère criminel. Le paquet de Port-au-Prince tient à rappeler à tous qu'il est strictement interdit de partager ou de publier des vidéos à caractère criminel sur les différentes plateformes de communication. Cela inclut sans y limiter des vidéos montrant des actes de victimes de crimes des délits ou toute autre activité illégale. Ouais, écoutez, zoom maman, zoomer pour nous, c'est faut m'appeler parce que ça très important. Après ça, pour nous dire qu'on connaît, ou même quand vous ouvrez sur WhatsApp, ou quand ouais, les gens qui passent sur le pays, là, ne pas publier. Parce que faut me prudent. Allez bien. Et je zoome pour nous toujours. Je dis, le partage de ce type de contenu, en plus
de violer le droit des citoyens et met en péril la sécurité nationale est susceptible qui s'est encore là encourir des sanctions juridiques importantes. Bon, nous avons là parce que je ne suis pas trop forcé pour mal lire ça qui écrit là. Et puis tout moi il dit selon article regardez là article 5 et 6 marel bien non article ça c'est bon 5 oui article 5 du décret et du lundi 21 novembre 1977 accordant à l'État haïtien le monopole des services de télécommunication qui stupide. Malheureusement, pas fini li pour nous parce que écriture il va tellement lisible. Et ceci c'est zoomel et à dernier niveau pour me lire de façon pour me ba nous une petite idée sur note qui sorti c'est ministère de la justice et de la sécurité publique qui met notre ça dehors dans raison pour protéger image pays. Et je suis d'accord avec parce que immédiatement on monte sur Google, l'on checke, on marque sur Haïti, l'on regarde où est ces actes de violence, l'on regarde où est ces barricades, bois calé et bandits qui font avec Gozam. C'est le premier paret. Tandis que toute notre belle image est cachée parce que il y a plus d'images de violence qui paraît sur les réseaux de Haïti. Et même de façon, il y a fait là pour protéger l'image. Pays d'Haïti. On bon d'accord, nous côté tout pas d'accord parce que on pas d'accord dans raison que faut nous ka wè ça ka passe dans pays là. Nous va arrêter bon, gagne vidéo tout et pas média fait, c'est bandit qui fait vidéo, yo publier sur dans ces deux groupes parce que bandit qui plusieurs numéros de téléphone, yo majorité des groupes, yo publier vidéo et puis nous-mêmes média nous prend yo, nous partager yo et pas nous ka filmer vidéo à nous. C'est bon de filmer qui filme vidéo et puis tout la gagne même nous jeune ni. Nous republier le public là pour ka ou ça passer dans telle zone pour pas fréquenter zone là. Qu'on a l'omette interdiction pour ne publier pour ne pas publier vidéo ça yo à cause il y a virus là dedans. Qu'on a un monde qui va voir vidéo là. Ka peut-être y aller. Mais ça mon a victime. La victime se compte l'état parce que gagne monde qui pas faire nouvelle. Gagne monde qui pas faire nouvelle. Gemon e banan sou TikTok la et puis de li on vidéo de qui ça ka passer dans Solino li wel oui. Gemon ki pa jamais ouvert radio dit tout pas jamais prendre nouvelle pays a même non. C'est banan sou TikTok et sou Facebook li wè ça ka passer dans pays d'Haïti. Hein? Kouna le moun nan pa konsa pas ka passer des pays a. D'ailleurs nous tellement intelligents, nous pas avle journalistes al couvri opération la police pour ka wè ça ka passer. Et puis tout le pa là nous ba un faux bilan. Bah menti net nous partager à cause c'est nous qui gagne vérité et nous gagne menti en tout nous ba ça nous voulez comme rapport comme bilan en tout cas nous tendez faut nous prudent nous pas partager n'importe vidéo parce que il y a une sanction qui là pour nous et selon article 5 dans décret nous connaissons on décret qui c'est 21 novembre 1977 et ça m'a écrit non ça qui me saute forcer li parler me saute forcer li en tout cas malé rendez-vous nos prochaines émissions pour qu'on ton l'autre dossier abé channel ça c'est production 69 mandé pour like li abonner peser sous cloche notification retirer le sous personnaliser mettez sous tout pour la grande vidéo pour pas rater on rencontre nous pour parler sur différentes interventions à coopération et que la police la menait dans le cadre de lutte contre le grand banditisme sous le leadership du commandant en chef là, M. Ramou Dormi. D'entrée de jeu, actuelle administration ça, depuis le commencé le travail, depuis plusieurs mois environ, il y a une bataille que l'a menée à la fois interne et externe contre le grand banditisme. Et objectif, c'est arriver épurer la police là le plus que possible et permettre à ce que lui assurer que tout policier qui est dans l'institution
que c'est des policiers qui sont crédibles, c'est des policiers qui étaient essentiellement dans le cadre de travail comme policiers et qui prend la loi seulement comme boussole ou du moins qui fait seulement sa attribution comme policier et c'est ça qui va le permettre les institutions de rejoindre confiance et population pour synergie directeur à chercher institution de la police là dans ensemble à chercher auprès de population pour capable joindre en meilleure façon pour regagner confiance population. Permet que nous féliciter la police dans Pétionville, la juridiction de Pétionville dans son ensemble, un ensemble d'unités spécialisées dans Pétionville qui a travaillé, qui réalisé et opération ça que nous allons parler de l'IA. D'abord, rencontre là surtout basé sur trafic de munitions et association des malfaiteurs. Dans le commissariat Pétionville, dans le cadre de Filat, qui était mené sous leadership direction centrale de police administrative, la police dans Pétionville était arrivée interpeller policier Jean-Wenel Pierre, que nous avons gardé avec maillot noir, pantalon kaki. Jean-Wenel Pierre, c'est un policier 21e promotion qui est affecté dans l'unité sécurité présidentielle, 4 teams. Hier après-midi, 30 octobre 2024, dans la rue l'ouverture dans Pétionville, dans une banque commerciale, la police était informée que gagné un certain Muller qui était dans la banque. Muller, ça, d'après information que la police gagnait, c'est un homme qui fait partie de gang, un groupe qui veut les têtes qui crachent du feu. Et la police était gagné information que Muller, ça, était dans la banque. Immédiatement, la police était montée une brigade pour filaturer lui et gain contrôle véhicule que la police était identifié que le diable là. Véhicule ça, c'est un Kia K27000. C'est un pick-up couleur bleue qui est matriculé BB22021. Responsable juridiction Pétionville là, te prend toute disposition pour filatiser ça. Et ouais, qui moun qui t'a vine monter à bord machine ça. Filature ça, il était monté à plusieurs niveaux, tant dans le périmètre externe banque commerciale ça, que dans le périmètre interne, avec des agents qui étaient spécialisés, qui étaient allés dans le périmètre interne pour dire qu'on voit ce qui s'est passé. Bon, 82 minutes, agent de l'audio d'après réalisé et d'après constaté que un individu qui portait uniforme captime était approché véhicule là. Rapidement, policier qui était dans Filatia, demandé individu ça pour identifier. Et rapidement, il était procédé à interpellation individu ça et il était identifié sous le nom policier Jean-Wenel Pierre. Rapidement, il était accompagné Jean-Wenel Pierre dans le commissariat Pétionville et procédé à une fouille en présence Jean-Wenel à véhicule ça. Qui ça a été là-dedans? 237 000 gouttes. Un téléphone iPhone 14 Pro Max. Un téléphone iPhone S5, un téléphone Galaxy S8, un pistolet Mac Glock calibre 9 mm, série LMR 824, 18 cartouches 9 mm, un chargeur. A remarquer, l'autre cartouche que vous allez jouer dans la machine ça, pas gagné pour avec cartouche qui appartenait à ZAM de service policier. Il y a 100 cartouches 762, 3 cartouches 556 que nous avons gardé dans différentes boîtes que nous avons là. C'est en total 2574 cartouches 762 que nous avons dans notre boîte. Les mêlé plusieurs cartouches ensemble de différents calibres, les bail en total de 2695 cartouches que vous jouez dans la machine que le policier ça a conduit. Jean Soudil là, 3 téléphones portables. En plus de ça, il y a un couteau tactique, 2 étuis, des gilets phosphorescents de couleur jaune et noire, c'est ensemble de munitions
que nous joignons en possession policière pendant notre situation côté trafic de munitions et de trafic d'armes. C'est une situation qui a empoisonné et population qui a limité et accès population qui a dérangé bien-être population. Donc la police là était vigilant et par rapport avec ça et chaque fois un policier malheureusement trouvé dans situation ça yo, donc la police là fait tout ça dépend de lui, donc pour poser les questions et transférer par devant autorité de droit yo, et yo même yo appelé à dire le droit. Pas oublier décision yo capable à la fois administrative et judiciaire. Si c'est une faute administrative, inspection générale est là pour mener enquête là. Et quand il s'agit d'une situation qui a rapport à un crime, donc il est déféré par devant autorité judiciaire. Toujours dans le cadre enquête et de CPJ t'a mené, depuis 20 juin, dans le cadre d'une opération la police t'a mené, il a été arrêté Désius avec Lucien Thomas. Désius avec Lucien Thomas, il a été arrêté pour trafic d'armes et association des malfaiteurs. Enquête ça a été continuée, même si la police a cheminé nous pas devant autorité de droit, mais information que la police gagnait pas permettre enquête priorité. Et ensemble de travail que nous fait déjà, ensemble de monde que nous présentons déjà, par exemple, je dis enquête priorité, il toujours à continuer pour chercher co-auteur avec l'autre monde qui est complice dans une action donnée. C'est comme ça. Dans la date de 5 septembre 2024, là, ma classine, il y a Josué Henry que la police a arrêté et pour une raison ou pour l'autre, pour des raisons d'ordre sanitaire, nous n'avons pas présenté là, mais la police a travaillé sur le dossier pour acheminer par devant autorité judiciaire. Pour résumer, nous avons deux armes qui sont confisquées. 2695 cartouches, un chargeur, trois téléphones et 237 000 gouttes que la police avait saisi. Et n'a dit tout, nous avons McDonald Louis que nous cadre toujours et lutte la police a mené contre grand banditisme, donc rivé arrêté et en temps et lieu qui était en possession d'armes avec munitions. Et en temps et lieu, n'a capable de présenter tout ensemble de matériel à la population, pour la population capable de connaître source de nuisance, qui côté yo sorti, qui monde qui n'enseigne yo, qui a collaboré avec foyer de gang yo, qui a fourni foyer de gang yo munitions, zames, et qui a nuit bien net yo, et n'a demandé yo encore une fois collaborer. Et avec l'institution de la police là, pour la police là continuer sous lancer que lié là. Nous comprenons attendre population. Attendre population li en pile. Et nous pas chambre pas rappeler ça. C'est débloquer les grands axes routiers pour communication interdépartementale ou rivé fait. Rivé mettez mer dans collecte leader des gangs attaquer grand foyer de gangio, et c'est ça la police fait dans Solino, c'est ça la police fait dans Cafopay, c'est ça le rivé fait Saint-Marc, c'est ça le fait Ponsondé, c'est ça le fait dans Grissier, c'est ça le fait Léogane, c'est ça le fait dans Cité Doudoune. Donc la police, sous plusieurs fronts, la travail, certainement nous connaissons attention en pile, nous pouvons combler dans pourcentage que population attend là, mais il est important tout pas qui fait yo, faut que nous dit population nous fait, donc on a continué travail et les pico bagay qui